Le shaker. Alors là, je vous présente deux types de shaker. Un shaker pas trop gros, fin, avec un son aigu. Un shaker voilà, avec un son plus grave, plus gros, des billes plus grosses. Bon, quel que soit le shaker que vous allez utiliser, c'est, la technique reste la même. On peut aussi l'utiliser avec, avec les œufs, les petits œufs avec des grains dedans. Voilà, alors, première des choses à faire, c'est déjà travailler le mouvement. Pour travailler le mouvement, vous allez, dans un premier temps, voilà, trouver la régularité aller-retour. Voilà, et après, le geste ici au niveau du bras. Vous voyez que je ne fais pas ça, c'est-à-dire mon poignet n'est pas raide et mon bras ne bouge pas autant. Bien. J'ai un mouvement de poignet aller-retour et un léger mouvement de bras qu'on pourra après ensuite par la suite amplifier pour avoir plus de son. Mais dans un premier temps, trouvez la régularité. Aller-retour. Alors, les accents. On va travailler le premier accent sur le 1. Genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc le 1 devant. 1, 2, 3, 4. Voilà donc. Un petit coup en avant pour donner l'impulsion, pour avoir un son un peu plus fort. Et après, les trois autres coups, plus léger, plus petit. Voilà, l'after beat. Ensuite, on va travailler le coup en arrière. Si par exemple on regarde ça, 1, 2, 3, 4, 1, hein, on va faire 4. Donc 4, même élan que pour devant, c'est-à-dire un petit coup avec l'avant-bras pour donner plus d'impulsion aux graines qui sont à l'intérieur. Sur le retour. Donc ta ti ti ta 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 ta. Alors toujours pareil, entre ces deux coups, entre ta ta ti ti, le qui file, ta ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti. Hey, il est tout petit au niveau du mouvement. Hein. Ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti ta ta ti ti. Voilà. Voilà, vous voyez quand même hein, le poignet qui travaille le plus par rapport à l'avant-bras. Hein. D'accord? Donc, premier exercice, le 1. Puis le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, une fois que vous avez travaillé un peu ce mouvement, bon là c'est lent, c'est plus c'est lent, plus c'est difficile, c'est plus facile sur un tempo, bon après, une fois que vous avez l'habitude, de jouer un peu plus vite. Sur le shaker plus grave, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 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 Alors ça c'est quand vous jouez sur genre bossa nova ou samba, donc le 1 et le 4. Après vous pouvez jouer sur le contretemps, donc vous avez le 1 devant. 1, 2, 3. Alors pour vous aider à bien voir le contretemps, 1 vous le jouez là, 1, 2 et 3 vous allez le jouer un peu en visant le bas.
Là, j'ai une cloche au pied, je vais vous donner le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors déjà, on prend le bâton avec le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Après, on va aller descendre le cou. 3, donc, en dessous pour avoir le contre-temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez rajouter le 4, quand même quand vous faites le contre-temps, pour commencer à donner aussi un certain swing à ce que vous jouez, et petit à petit pouvoir rajouter des accents, donc en essayant de rajouter le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 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 4. Je repasse au 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alors, pour travailler aussi le coup avant et le coup après, on peut partir sur du ternaire, genre des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein. Le premier 1, il est devant. 1, 2, 3, 1, 2, et le deuxième, il est derrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, petit à petit, quand vous maîtrisez, vous accélérez. Cœur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Voilà, au fur et à mesure, le fait de travailler devant, derrière, petit à petit, ça vous permet, comme j'ai fait là, de pouvoir donner des accents tout en conservant soit le 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, mais de pouvoir donner des accents et donc de pouvoir jouer des rythmes ou des phrases avec votre shaker. Allez, shaker sur un 12-8.